Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Drôle d'endroit pour une rencontre. Ce soir, nous serons en compagnie du grand historien Pierre Rosanvallon. Il est professeur au Collège de France et depuis des années maintenant, il travaille sur le concept de démocratie. Alors la démocratie aujourd'hui est-elle en crise? Est-elle malade? Si oui, comment la soigner? Comment la réenchanter? Comment la réinventer? Le professeur Rosanvallon répondra tout à l'heure à toutes ces questions dans un lieu, vous le verrez, qui est très symbolique. La vie démocratique, elle est sérieusement en danger. Des formes de totalitarisme pourraient renaître à travers le refus de l'immigration, des réfugiés. Ce soir, nous serons également en compagnie d'un grand musicien qui aime à improviser, à jouer avec les codes du classique, de la pop et du jazz. J'ai nommé Ibrahim Malouf, trompettiste, qui nous a accordé un entretien, vous le verrez, miraculeux de douceur et également nous a fait le plaisir de jouer en live dans un lieu qui résonne très particulièrement pour lui. Vous le découvrirez tout à l'heure. On devrait commencer par l'improvisation, c'est-à-dire s'amuser juste. Et puis dès qu'on sent qu'on est en manque, mince, j'y arrive pas, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui nous dit, ben regarde, tiens, si je te montre ça, 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 tu vas pouvoir improviser un peu plus et avoir plus d'idées. Mais pour commencer, dialogue avec la romancière Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce chez Gallimard, à seulement 35 ans. On a eu envie de la rencontrer après le tumulte, après le fracas médiatique, dans un lieu absolument extraordinaire, en plein cœur de Paris. Bienvenue. Bonjour Leïla Slimani. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement de la capitale. C'est le quartier où vivent les héros de votre roman, qui vous a valu à 35 ans le prix Goncourt. Félicitations. Merci beaucoup. On est ici, Leïla Slimani, dans un ancien théâtre, la Scala de Paris, comme il y a la Scala de Milan. C'est un bâtiment incroyable qui est en train d'être entièrement rénové pour redevenir ce qu'il a été à l'origine, à savoir un théâtre. La Scala de Théâtre ouvrira en 2018. Alors, Chanson douce part d'un fait divers. Lequel? Racontez-le. Alors, ce fait divers se passe en 2012 à New York. Une mère emmène sa petite fille à un cours de danse pendant que la nounou s'occupe des deux autres enfants. Elle arrive dans l'appartement à la fin du cours de danse. L'appartement est plongé dans le noir. Elle s'étonne de l'absence de la nounou. Elle allume la lumière. Et là, dans la salle de bain, il y a la nounou qui a essayé de se suicider et les deux enfants qui ont été assassinés. Et cette femme, d'origine dominicaine, travaillait chez eux depuis 3 ou 4 ans. Leur inspirait la plus grande confiance. Ils étaient allés plusieurs fois dans sa famille à elle en République dominicaine. Ils la considéraient comme un membre de la famille. Et plus tard, avec le procès que j'ai suivi aussi, tout ça, on découvre qu'effectivement, des malentendus, plein d'incompréhensions, s'étaient en réalité glissés dans cette relation sans que les parents leur accordent une importance démesurée. Et qu'est-ce qui vous a harponné dans ce fait divers? Ce qui m'a harponné, en fait, c'est que ce fait divers rencontrait des obsessions personnelles. Moi-même, j'ai grandi au Maroc, dans une maison où on avait du personnel, comme c'est encore souvent le cas dans la bourgeoisie marocaine. J'avais une nounou qui vivait à la maison, et très petite déjà, j'étais tout à fait consciente du chagrin, du côté presque tragique de la position de cette femme qui elle-même n'avait pas d'enfant, n'avait pas de mari, n'avait pas de vie à elle. Et le fait de trouver ce fait divers me permettait de faire le lien entre la société parisienne contemporaine dans laquelle je vis et ces sentiments que j'avais envie de décrire et qui me paraissaient être très romanesques. Est-ce que vous vous inscrivez à travers cet incroyable personnage qui est une nounou, parce qu'effectivement c'est un regard sur des mondes sociaux très différent. Est-ce que vous inscrivez dans une tradition bien présente de la littérature française, Journal d'une femme de chambre, il y a eu un certain nombre de livres sur cet univers-là. Vous avez lu et relu avant d'écrire ? La figure du domestique, c'est une figure qui existe, mais depuis des siècles dans la littérature. Donc bien sûr, j'ai relu ça et même j'ai décidé de m'en imprégner, de m'en servir. C'est-à-dire que cette trame classique, elle devait être là à l'intérieur du roman pour dire
qu'est-ce qu'aujourd'hui notre rapport à la domesticité dit de nous, dit de notre société, dit de la façon dont on fonctionne avec les autres. Et je trouvais ça effectivement très intéressant qu'il y ait des échos comme ça. Alors, il y a des échos des bonnes, il y a des échos de Journal d'une femme de chambre, qui est un très beau livre sur l'errance de cette femme qui a une vie très précaire, parce qu'elle est un peu comme Louise, la nounou de mon livre. La particularité de ces domestiques, c'est la précarité, c'est-à-dire que c'est des gens qui passent d'une place à une autre, d'un maître à un autre. Et la violence, elle vient aussi de ça, d'une vie dans laquelle on n'a jamais véritablement d'assise. Est-ce que le statut des domestiques a tellement évolué? Est-ce que la brutalité qu'on peut lire dans les rapports sociaux, dans un roman du 19e siècle, est aujourd'hui nappée de bons sentiments et d'un véritable souci aussi du bien-être des domestiques? Mais est-ce que radicalement ça a changé d'après vous? Aujourd'hui, on a un contrat et on considère que finalement le rapport de domesticité est comme n'importe quel autre rapport. C'est un rapport contractuel. On a enlevé finalement ce rapport intime, personnel, familier qu'on pouvait avoir et qui pouvait être négatif comme positif. Je ne le juge pas. On met en place une frontière, on paye et donc il n'y a pas de rapport hiérarchique, entre guillemets. Mais tout ça est une vaste supercherie, parce qu'en réalité, c'est impossible, c'est totalement faux. Et puis, il y a le fait aussi, comme vous disiez, il y a ces bons sentiments, il y a le fait de ne pas vouloir regarder en face la différence sociale. Ce sont des bobos ou des archétypes de bobos, les employeurs dans mon roman, et ce sont des gens qui sont pour la mixité sociale, qui s'installent dans le 10e, dans un ancien quartier populaire, mais qui en même temps n'ont jamais vécu cette mixité sociale dans leur chair. Et d'un coup, cette étrangère, dans tous les sens du terme, va arriver avec sa misère, avec ses problèmes, et ils vont devoir mettre finalement en application les valeurs théoriques très positives qu'ils ont, et ils vont se rendre compte que c'est pas si facile une fois qu'on doit les appliquer. L'horreur a lieu tout de suite. Vous ne jouez pas avec le suspense, c'est abominable dès la première page. Pourquoi ce choix? Justement, parce que je voulais créer un autre sentiment que la fébrilité ou que l'attente chez le lecteur, c'était l'affolement, c'était l'inconfort. Parce que c'est aussi un roman sur la peur, et sur la peur primale qui est la peur de laisser ses enfants. Donc le lecteur, il a l'information principale et il est spectateur de ce drame, spectateur affolé, il a envie de prévenir les parents, il se sent passif et en même temps il est quand même enquêteur. C'est-à-dire qu'à un moment il va commencer à s'intéresser aux moindres petits détails, aux petits indices qui commencent à montrer qu'il y a une dérive, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Une façon de ranger des vêtements, une façon de se comporter, une façon de claquer la porte qui dit en fait quelque chose d'un mal-être, d'un inconfort ou d'un danger. Vous ne jugez pas la nounou, pourquoi ? Mais parce que je crois que c'est pas le travail du romancier de juger ses personnages. Ça, vous le laissez au lecteur, hein, je le laisse travail. Au lecteur, et puis je le laisse, j'allais dire, à la justice. Après, il y a de très grands romanciers qui ont été dans des postures de jugement de leurs personnages, et ça peut faire des choses magnifiques. Même Dostoïevski a souvent été dans une posture de jugement de ses personnages. Mais moi, c'est pas du tout ça mon propos. Moi, j'aime bien, comme je le disais, cette idée de déranger le lecteur, de le bousculer. Et on le bouscule beaucoup moins en lui donnant pas le confort du jugement, en lui donnant pas les clés, en lui disant pas « voilà les salauds et les bons », en lui disant « regarde, ces gens te ressemblent et regarde ce que font ces gens qui te ressemblent et ces gens que tu pourrais connaître ». Et le laisser finalement avec ça, décider qui est bon, qui est mauvais. Tahar Ben Jelloun dit quelque chose d'incroyable sur vous en disant que vous n'aviez absolument pas choisi la facilité ni cédé au kitsch orientaliste. Je cite la phrase, elle n'a pas fait le roman maghrébin que l'on attend sur la situation de la femme, le couscous et tout le folklore. J'imagine que ça a dû à la fois vous faire rire et vous faire plaisir. Oui, bien sûr, bon, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis c'est totalement vrai, enfin moi je l'ai fait... sciemment. Je suis arrivée en France un petit peu après le 11 septembre, donc moi, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans une actualité dominée par l'islam, l'identité, le monde arabe, etc. Je suis épuisée de ça, je n'ai plus rien à dire là-dessus, je n'ai plus envie d'entendre quoi que ce soit là-dessus. Et moi, j'aime la fiction, j'aime les histoires, j'aime le cinéma américain, j'aime la littérature russe, et j'aime cette idée qu'on peut être maghrébin et se saisir d'une histoire qui s'est passée à 3000 km et qu'on peut être aussi un transmetteur de l'universel et puis un conteur, tout simplement. Comment est née l'envie d'écrire des romans chez vous? À quel moment, quelle frustration a été comblée par la fiction?
Mais j'ai toujours eu envie d'écrire des romans, mais j'en avais une vision quand j'étais adolescente très romantique et très irréaliste, c'est-à-dire j'avais envie d'écrire un roman. Bah bon, ça voulait rien dire de plus que ça. J'avais envie voilà, d'avoir des grandes passions, je pensais qu'être romancier c'était fumer de la drogue, voilà, être fou amoureux et puis se jeter du haut d'un pont, voilà, c'était ça être romancier. Et j'oubliais la partie importante, voilà, mais j'oubliais la partie importante qui était d'écrire des romans. Et à chaque fois que j'essayais, j'arrivais à écrire le début et puis très rapidement, je m'essoufflais, quoi. Donc vous avez échoué au début. J'ai échoué beaucoup, ouais, non, j'ai échoué beaucoup parce que j'avais pas le souffle et puis j'avais pas l'endurance et que je mesurais peut-être pas aussi la charge de travail et de solitude que ça représente. Et puis l'écriture de reportage, puisque j'ai été reporter pour Jeune Afrique, donc c'est le terrain, c'est l'écriture sur place, travailler sur des détails, c'est un travail d'observation, ça a beaucoup aidé, je pense, mon écriture un petit peu à se délier, à me mettre dans cette position de spectatrice. Et après, c'est les hasards de la vie, c'est le fait qu'à un moment dans ma vie, je me suis retrouvée à être enfermée chez moi, à ne pas pouvoir sortir pour plein de raisons familiales, personnelles et tout. Et cette solitude a fait que voilà, bah, le roman, c'est écrit, je l'ai écrit, je ne sais pas, nous nous sommes écrits l'un l'autre. Vous avez un livre qui est écrit, m'avez-vous dit, mais qui va sortir aux éditions Les Arènes, et là on change de casquette, une enquête journalistique, Sexe et mensonges, c'est bien cela. De quoi parle cette enquête exactement? Alors ce livre est parti de la promotion que j'ai faite de mon premier roman qui s'appelait Dans le jardin de l'ogre, qui était un livre sur une femme addicte sexuelle. Et en allant le présenter au Maroc, s'est passé un phénomène assez incroyable, c'est qu'à la sortie des présentations, des discussions, des conférences, des femmes venaient me voir et me raconter leur rapport à la sexualité, leur vie. Et en même temps, se passait au Maroc un certain nombre d'affaires de meurtres. Donc c'est le moment où est sorti Much Love de Nabil Ayouch. C'est le moment aussi où il y a eu toutes ces affaires liées aux homosexuels qui ont été frappés et tout. Et la concordance des deux m'a donné envie de raconter ce que c'est aujourd'hui d'avoir une sexualité dans un pays comme le Maroc, dans un pays où les relations sexuelles sont interdites hors mariage, où il y a une législation extrêmement dure, voire liberticide sur ces questions. Qu'est-ce que c'est que d'être schizophrène, puisqu'on dit, on utilise souvent ce mot au Maroc, c'est-à-dire l'idée de vivre certaines choses en public et d'autres en privé, et en quoi cette misère sexuelle, eh ben, elle génère aussi des choses sur le plan social, sur le plan économique, voire sur le plan politique. Quel citoyen on est dans un pays où on ne peut pas avoir une sexualité libre. Est-ce que ce qui a le plus d'avenir au Maroc, c'est pas le patriarcat? C'est pas ça le cœur du... Ah ça oui, je crois qu'il a encore de... Hein, il a de belles années devant lui. Ouais, hein. Il a de très très beaux jours ça devant lui. Ça se transmet de père en fils sans problème. Voilà, c'est ça, moi je crois que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, une grande partie du monde méditerranéen et musulman. Et c'est contre ça que moi j'essaye de lutter en disant que d'abord c'est une révolution culturelle qu'on doit faire. Parce que effectivement, bien sûr, il faut lutter contre les violences faites aux femmes, il faut lutter contre le harcèlement sexuel, il faut lutter contre l'avortement clandestin. Mais ça, on luttera contre ça à partir du moment où on aura infusé dans les esprits l'idée d'une égalité, l'idée que le corps de la femme y vaut quelque chose. Et ça, ce sont les mères, ce sont les pères, ce sont les enseignants, ce sont les écrivains, ce sont les journalistes qui doivent au jour le jour répéter ça, le marteler. Et malheureusement, ça n'est pas fait. Moi, souvent, je parle avec des mères au Maroc, des mères de famille. Je leur dis, regardez vous-même comment vous éduquez votre garçon et votre fille. Vous faites déjà une telle différence dans la façon dont vous les éduquez, comment vous voulez que demain votre fils ne répète pas les comportements que pourtant vous détestez chez son père. Donc c'est vraiment cette révolution culturelle qui doit être à l'œuvre. Vous avez déjà une idée des sujets, des envies qui pourraient devenir un nouveau roman? Vous savez oui, déjà oui, ou pas? Oui, j'ai une idée depuis un moment sur un sujet dont je pense qu'il est impossible à faire, donc c'est bien parce que je n'arrive à écrire que quand je pense que c'est impossible à faire. Et un vrai roman, non pas noir, mais rose, non pas angoissant, mais heureux, enfin c'est tout aussi risqué j'y que de faire... Pas. Vous n'y croyez pas. Ben, venant de moi, j'y crois pas, je sais pas pourquoi... Un roman d'amour. Oh là là, un roman d'amour, je crois c'est ce qu'il y a de plus chiant. Non, ce qu'il y a de plus dur, c'est très difficile. Ouais. Je pense qu'un très bon roman d'amour, c'est très très difficile. Moi j'aimerais écrire un c'est Lolita... c'est pas impossible, hein. Non, non, vous c'est dites pas impossible. C'est très difficile. Un Lolita, un Belle du Seigneur, oui, ça c'est un immense roman d'amour. Il faudrait que je trouve la forme pour un grand roman d'amour, mais peut-être. On vous le souhaite. Merci, Leïla Slimani. Merci et bravo encore, je vous serre la main. Il fait vraiment froid. Je vous remercie infiniment hein, pour cet entretien. Et je vous souhaite donc d'écrire un roman d'amour un de ces jours. Quoi. On Pourquoi le lira pas, en tout cas ouais, avec ouais. plaisir. Merci. Merci encore. Avant de retrouver l'historien Pierre-Rosan Vallon, qui enseigne notamment l'art de réenchanter la démocratie, voyage intergalactique dans l'univers Star Wars.
Un nouvel épisode sort en salle bientôt, l'occasion de se demander si Star Wars, ce n'était pas mieux avant. Voici le nouveau bébé de la galaxie Star Wars, sorti dans les salles le 14 décembre. Un épisode indépendant de la saga culte que l'on peut regarder sans avoir vu les autres. Il y a un an déjà sortait Le Réveil de la Force, et le prochain long-métrage est annoncé dès 2017. Ça fait beaucoup un film par an. La princesse Leia, Luke et leurs petits copains sont plutôt bien occupés depuis que Disney a racheté en 2012 Lucasfilm, la société de production de George Lucas, le père de Star Wars. Un rachat vécu comme une révolution intergalactique par tous les fans. D'où notre question. Est-ce que Star Wars, c'était pas mieux avant? Bien des choses ont changé. Les traditions se perdent. Le principe originel de Star Wars, c'était la rareté. Un premier film en 1977, le suivant en 80, le troisième en 83. 3 ans d'attente fébrile entre chaque épisode. 15 années de sevrage plus tard, une nouvelle trilogie venait combler les fans. On avait mérité notre trip intersidéral. Star Wars en 77, c'était totalement nouveau. Avec la guerre des étoiles, George Lucas dépoussière et réinvente un genre jugé ringard. Avant, souvenez-vous, la science-fiction, c'était ça. Un univers futuriste propre et bien repassé à la Star Trek. Avec Star Wars, on change de galaxie. Les batailles dans l'espace, les explosions, les vaisseaux qui voyagent à la vitesse de la lumière. On n'avait jamais vu ça. Le space opéra, selon George Lucas, c'est d'abord et avant tout un look. Des engins qui grincent, de la rouille, de la poussière. Bref, un futurisme sale. Mais ce qui en mettait plein les mirettes, c'était surtout les effets spéciaux. Incroyablement réalistes. Là encore, du jamais vu au cinéma. Il y a longtemps que les gens n'avaient pas eu la chance d'aller au cinéma pour voir un film d'aventure aussi spectaculaire et amusant. Tout ce qui concerne les modèles réduits et les maquettes a été fait dans un studio spécial à Los Angeles par un groupe d'environ 50 personnes qui a non seulement construit les maquettes, mais a filmé tout ce qui les concernait, leurs mouvements, dans les décors de l'espace. Un vrai travail d'orfèvre. La bande à Lucas avait l'embarras du choix. Atelier miniature, atelier peinture ou atelier marionnette. Eh oui, Maître Yoda était animé par un marionnettiste. Et R2-D2 n'était pas juste un robot. Personne ne sait qui je suis, mais pourtant tout le monde pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du robot. J'incarne R2-D2, le robot. Rien à voir avec le tout numérique d'aujourd'hui. Oui, c'est propre, oui, c'est réaliste. Oui, d'accord, on y voit que du feu, admettons. Mais les effets spéciaux trop parfaits, ça manque de charme. Le succès de la guerre des étoiles tient avant tout à un personnage. George Lucas avait bien retenu la leçon du grand Hitchcock. Un bon film, c'est d'abord un bon méchant. Ça vous rappelle quelqu'un ? Dark Vador. Sans doute l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. On peut voir l'histoire comme la tragédie de Dark Vador. On peut le considérer comme un héros. Au départ, c'était un méchant et au final, c'est lui le héros de la saga. Un héros asthmatique, casqué comme un soldat de la Wehrmacht, que les nouveaux propriétaires de Star Wars, les studios Disney, ont tenté de ressusciter dans un nouveau méchant masqué baptisé Kylo Ren. J'achèverai ce que vous avez commencé. Car oui, en 2012, l'ancien prodige du Nouvel Hollywood a vendu ses enfants. Cette poignée de main à 4 milliards de dollars, c'est le rachat de la franchise Star Wars par Disney. Les fans de la première heure ont bien cru à la trahison suprême. L'Empire Mickey allait-il pervertir Star Wars? Le verdict est tombé l'année dernière. Pour rallier les fans déserteurs, Disney a voulu réveiller la force. La recette originale est toujours la meilleure. Même décor, même personnage, même robot rigolo, même univers rouillé, même sabre laser. Enfin, à peu près. Tout est vrai. Alors oui, on est content de retrouver le look des premiers épisodes. On attend juste de savoir si à raison d'un film par an ne frôle pas l'overdose. Ce serait dommage, car après tout, Han Solo, Luke et la princesse Leia, c'est quand même autre chose que de vulgaires super-héros de comics bodybuildés.
Historien, politologue, sociologue, Pierre Rosanvallon est tout cela à la fois. La démocratie, la montée des inégalités ou le vivre ensemble sont ses thèmes de prédilection depuis 40 ans. Son livre « Le bon gouvernement » sort en format poche au mois de janvier. Tout de suite, Pierre Rosanvallon en trois mots. Dans une première vie, Pierre Rosanvallon a été militant, plus précisément syndicaliste à la CFDT, la Confédération française démocratique du travail. Il est certain que la CFDT était véritablement, on peut dire, à la fois le laboratoire social et l'école qui a lancé des idées neuves. Les idées neuves, c'est par exemple l'autogestion dans les entreprises ou la deuxième gauche. Cette gauche libérale emmenée par Michel Rocard, qui prend ses distances avec le socialisme venu de l'Est. Pierre Rosanvallon publie des ouvrages de référence comme « Misère de l'économie » ou « La crise de l'État-providence ». Aujourd'hui, l'ancien militant est professeur au Collège de France. La justice sociale reste au cœur de ses réflexions. La démocratie, Pierre Rosanvallon a décidé d'en écrire une histoire au début des années 2000. Depuis, il ne cesse de l'analyser. Que la démocratie, ça n'est pas simplement le suffrage universel. La démocratie, ça n'est pas simplement le vote. C'est aussi une culture de la discussion, une culture des libertés publiques, une culture de la délibération. Et cette culture aujourd'hui s'effrite et se morcelle. S'il y a bien une constante dans l'histoire de la démocratie, nous dit Pierre Rosanvallon, c'est qu'elle est sacrément fragile. La maladie de l'Europe au XXe siècle, c'était celle des totalitarismes. Et aujourd'hui, c'est celui des populismes en Europe. L'utopie politique se fond parfois dans l'architecture et la démocratie s'exerce ailleurs que dans les urnes. Ses lignes élancées et ses formes contrastées sont celles de la Bourse du Travail de Bobigny, lieu historique du mouvement syndical. C'est pour cette raison que nous y rencontrons Pierre Rosanvallon. Son concepteur, Oscar Niemeyer. Le Brésilien, chantre de l'architecture moderne, avait déjà conçu la capitale de son pays, Brasilia, comme un idéal démocratique. Il récidive en France à la fin des années 70 après avoir fui la junte militaire. En plus de la Bourse du Travail, on lui doit le siège du journal L'Humanité ou celui du Parti communiste à Paris. Le trait d'union entre Pierre Rosanvallon et cette Bourse du Travail, le voici. La démocratie, qui bien qu'attaquée, meurtrie et malmenée, reste une utopie à sans cesse réinventer. Bonjour Pierre Rosanvallon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est dans un lieu magnifique à Bobigny, juste à côté de Paris, dans un bâtiment construit par l'architecte Oscar Niemeyer. C'est une architecture qui ne ressemble à aucune autre. Elle vous évoque quoi déjà, cette architecture? C'est lui qui a construit aussi à Paris le bâtiment du Parti communiste français. Exactement, c'est le symbole du modernisme des années 60. Bien sûr, Niemeyer a fait beaucoup de choses, c'est lui qui est l'architecte de Brasilia. Mais dans ce bâtiment, on voit triompher le modernisme. Et en même temps, ce sont des espaces qui ont une certaine convivialité. On est à la Bourse du Travail. C'est un lieu qui a disparu de la vie civique. D'où viennent les Bourses du Travail, historiquement, et à quoi servaient-elles à l'origine? Les Bourses du Travail, c'est en quelque sorte les pôles emploi du monde du travail. C'est-à-dire que c'est des bourses qui ont été créées pour que les ouvriers puissent se rencontrer et puis proposer en quelque sorte leur service à des employeurs. Et ça a même été à l'origine de la fondation du syndicalisme. Au fond, aujourd'hui, il faudrait réinventer la même chose, par exemple faire des maisons du citoyen. Qui soient des endroits où il puisse y avoir des débats ou des conférences qu'on appelle des conférences citoyens, où il y a des gens tirés au sort, des espaces libres débat citoyen. Je pense que ce serait un progrès pour notre démocratie. Vous dites qu'au XXe siècle, la démocratie a connu la guerre et le totalitarisme. Oui. Ce qu'elle connaît aujourd'hui est donc un danger peut-être pas de même nature, mais un danger nouveau, est très préoccupant. En fait, après la chute du mur de Berlin, tout le monde disait « bon ben ça va, la démocratie, elle est là ». Oui, la démocratie électorale, elle a gagné presque partout. Mais la vie démocratique, elle est sérieusement en danger. C'est inquiétant et parce que même des formes de totalitarisme pourraient renaître à travers le refus de l'immigration, des réfugiés, les mouvements de population, ils vont être gigantesques dans les 50 ans à venir, pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, ils vont être politiques.
Et si donc il n'y a pas une consolidation de la vie démocratique, une consolidation des façons dont les citoyens discutent entre eux de leur possibilité de vivre avec les différences, eh bien à ce moment-là, les sociétés vont se décomposer en une multitude de petites sécessions. Dans quelques mois, c'est l'élection présidentielle en France, Pierre Rosanvallon, moment qu'on décrit comme le moment clé de notre vie politique. Est-ce que la France, d'après vous, est en crise politique aujourd'hui ? La démocratie est en crise partout pour deux raisons. D'abord parce que les citoyens ont le sentiment que leur vote est moins utile. Mais on voit aujourd'hui que la voix du bulletin de vote, elle ne suffit pas aux gens. Parce que ce bulletin de vote, il va servir en fait à nommer une personne. Mais ce bulletin de vote ne dit pas ce que va être sa politique ensuite, ce que va être son comportement. Et donc, à côté d'une démocratie de nomination, il faut aussi faire vivre une démocratie que j'appelais d'exercice. Donc ça, c'est une des sources, je dirais, du désenchantement citoyen. C'est le grand moment de l'élection. Et après... Rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans, c'est quand même un grand vide entre les deux et on voudrait une démocratie vivante, une démocratie permanente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très, très important, c'est que beaucoup de citoyens ont le sentiment de ne pas être représentés. Donc partout, on a un sens de démocratie hémiplégique et c'est ce qui nourrit, je dirais, par réaction en quelque sorte, la montée en puissance des populismes un peu partout dans le monde. Comment expliquer, Pierre Rosanvallon, ce paradoxe apparent ? Il y a une défiance très grande à l'égard des hommes et des femmes politiques. Et sur une élection comme l'élection présidentielle, les Français votent encore énormément. Pourquoi on continue à voter alors qu'on n'y croit plus ? On n'y croit plus, mais là, on voit que son bulletin de vote, il a véritablement un effet. Il y a le sentiment que c'est très important parce que c'est le pouvoir exécutif. Donc c'est le pouvoir central. Autant quand on élit un député, il est membre d'un collectif. Et donc sa voix, elle est un petit peu diluée. Alors que là, sa voix, elle participe directement, je dirais, à un choix décisif. Donc il y a ça. Mais en même temps, il y a le désenchantement parce que c'est un chèque en blanc, grosso modo, que l'on donne. C'est un pari sur l'avenir. Donc aller plus loin que le pari sur l'avenir, c'est aussi faire en sorte que chaque... prétendant à l'élection, puisse avoir davantage d'adhésion et suscite davantage de confiance. C'est pour cela que la mise en place d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique, après le scandale Cahuzac, a vraiment été, me semble-t-il, un élément très important pour la vie démocratique. Il faut rendre public tout cela. Et on voit bien maintenant qu'il y a des sentiments de réaction très fortes lorsqu'on voit que quelqu'un a menti, a caché quelque chose, etc. On parle beaucoup du tirage au sort. Ouais. Est-ce que c'est l'une des clés pour revitaliser la démocratie ou est-ce que c'est un gadget ? Disons qu'il y a trois façons de choisir des gens. Hein. Il y a l'élection... le tirage au sort et l'examen ou le concours. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non. On peut voter à une élection, choisir quelqu'un parce qu'on aime bien son physique, parce qu'on déteste quelqu'un d'autre. On peut voter pour des raisons profondes ou superficielles. Il y a une autre façon de décider pendant très longtemps, hein, c'était l'examen. C'était de dire, après tout, qui est capable, qui est compétent. Et il y a des pays comme la Chine aujourd'hui qui refusent le suffrage universel au nom, justement, d'un choix autre des compétences. Le tirage au sort, au contraire, c'est valoriser le quelconque. Ça veut dire que n'importe qui est capable de le faire. Alors, on ne peut pas imaginer qu'on puisse tirer au sort le président de la République ou tirer au sort le ministre des Finances. Mais on peut tirer au sort un citoyen pour réfléchir au nom des autres. Donc, le tirage au sort a sa place, mais il ne faut pas le voir comme une sorte de recette magique qui s'appliquerait à tout. C'est quand même un métier difficile, homme ou femme politique, aujourd'hui. C'est une complexité. C'est très difficile si on les voit comme des personnes miracles, si on les voit comme ceux qui peuvent répondre à tous les problèmes. Et plus les démocraties restent des démocraties, je dirais, de sommet, plus le métier politique est impossible. Mais plus la démocratie serait... aurait une vitalité décentralisée, à ce moment-là, le métier politique changerait. Comment expliquez-vous, Pierre Rosanvallon, la montée aujourd'hui au sein des démocraties, après une élection parfaitement démocratique, de figures populistes
qui mettent ensuite en place des politiques antidémocratiques, ou en tout cas des politiques de fragilisation de la démocratie. Très bizarre ce moment dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements populistes et des partis populistes, il y en a actuellement partout dans le monde, hein, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, à nos portes même, ça c'est évident. Les partis populistes prétendent que tout est simple à régler si on fait confiance au peuple et qu'on élimine les élites, les oligarchies, etc., des petits groupes. Et ces groupes populistes aussi, ils veulent une démocratie simplifiée, en pensant que cette simplification un peu radicale va permettre de la rendre facile, alors qu'au contraire, c'est un facteur de sa décomposition. On voit la crise aux États-Unis, on voit la crise partout. 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 Et partout, alors, parce que est-ce que quelque part un petit village résiste ? Non, mais même les pays qui traditionnellement étaient ceux des démocraties les plus pluralistes, les plus installées, comme les pays scandinaves, sont aussi des pays qui sont très sérieusement déstabilisés aujourd'hui par les mouvements populistes. Donc cela veut dire que la démocratie, elle a partout à être remise en chantier. Alors évidemment, si on prend les tout petits pays, il y a un pays dans le monde qui n'a pas d'armée et qui a une grande stabilité institutionnelle, c'est le Costa Rica, qui est aussi un des pays les plus écologiques de la planète. Comment voyez-vous des mouvements comme Nuit Debout ou Occupy Wall Street, les mouvements des places en Espagne, le mouvement des tentes à Tel Aviv, en Israël, ces mouvements qui surgissent en dehors de la démocratie d'élection, qui disent quelque chose de la crise de la démocratie, et puis, je ne sais pas. Ben, je dirais que ces mouvements, ils sont un symptôme. Ils sont le symptôme d'une attente, le symptôme d'une insatisfaction, mais c'est un symptôme qui prend forme dans un moment et un espace particulier, mais qui ne construit pas dans le temps. Regardez Nuit Debout, ça n'a pas construit une alternative, si je puis dire, aux institutions représentatives qui ne fonctionnent pas. On voit bien qu'il y a par de multiples biais qu'il y a une attente, mais il faut que d'une manière ou d'une autre, se sont parlé tout à l'heure de nouveaux lieux à inventer. Il faudrait qu'il y ait des maisons du citoyen, des maisons de la démocratie, et pas simplement des parlements. Moi, j'ai employé l'expression de construction d'un parlement des invisibles. Expliquez cette expression qui est très féconde et un peu mystérieuse. Parlement des invisibles, cela veut dire qu'il faut rendre présent dans le débat public, justement, les vies qui ne sont pas racontées. Et au fond, être un citoyen, c'est avoir le sentiment que ce qu'on vit compte pour quelque chose. Il faut aussi donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, la donner directement. Vous avez créé une collection qui donne la parole à ceux que vous appelez les invisibles. Est-ce que vous pouvez nous dresser quelques portraits de ces gens ? Le dernier en date, c'est un livre qui s'appelle « À l'abattoir ». C'est quelqu'un qui travaille dans la tuerie d'un abattoir. Aujourd'hui, dans la condition ouvrière, le travail à la chaîne, dans l'agroalimentaire, et spécialement dans les abattoirs, c'est un des plus durs, physiquement qui soit, psychologiquement aussi. Mais ces choses-là ne sont pas racontées. C'est un morceau de classe ouvrière qui n'est pas plus raconté que celui de tous ceux qui travaillent dans les centres logistiques. Et quand vous promenez en France aujourd'hui, le long des autoroutes, vous voyez partout des grands bâtiments, c'est des bâtiments logistiques. Et là, il y a maintenant plus d'ouvriers que dans les usines. Est-ce que vous pensez que la vie numérique, le monde digital, les outils que nous propose Internet, permettent de revivifier la démocratie ? Ils le permettent en partie parce que ça fait circuler de l'information. En même temps, ça fait circuler les rumeurs, ça fait circuler aussi les visions complotistes. Donc ça n'est qu'un instrument, mais cet instrument, il faut l'organiser de telle sorte qu'il ait des filtres, de telle sorte qu'il ne soit pas simplement un lieu de propagation négative, mais qu'il soit un lieu de construction positive. Pierre-Rosan Vallon, vous allez suivre, j'imagine, avec appétit, les mois qui viennent, la campagne présidentielle en France, appétit et inquiétude. Un mélange d'appétit et d'appréhension, parce que nous mesurons vraiment aujourd'hui à quel point des situations peuvent basculer. Pierre-Rosan Vallon, s'il fallait se quitter sur un slogan, vous choisiriez lequel entre les deux que je vais vous proposer qui me viennent à l'esprit ? Réenchanter la démocratie, point d'exclamation, ou complexifier la démocratie, point d'exclamation ? Je dirais revivifier la démocratie. Revivifier la démocratie pour la rendre permanente. Et peut-être que le meilleur slogan, ce serait faire vivre une démocratie permanente.
L'inclassable jazzman Ibrahim Malouf nous a accordé un moment d'improvisation au piano. Ce sera juste après notre échange, dans un lieu intime qui, vous le verrez, résonne parfaitement avec sa musique et ses origines. Ibrahim Mahalouf était aux côtés de Sting le 12 novembre dernier pour le concert de réouverture du Bataclan, un an après les attentats. Compositeur et musicien virtuose, le franco-libanais jette des ponts entre les gens et les genres avec sa trompette. Tout de suite, Ibrahim Mahalouf en trois mots. La trompette, c'est l'instrument de prédilection d'Ibrahim Mahalouf, c'est aussi une histoire de famille. Début des années 80, le Liban plonge dans la guerre civile. Alors qu'il est encore petit garçon, les parents d'Ibrahim Mahalouf fuient le pays et se réfugient en France. L'exil est au cœur de l'histoire familiale, mais aussi la musique. Sa mère est pianiste, son père trompettiste. Il initie son fils à l'instrument et la trompette sur laquelle joue Ibrahim aujourd'hui a une histoire particulière. C'est une trompette, mais légèrement différente. Et ce que mon père a apporté, c'est qu'il a eu l'idée d'ajouter un quatrième piston, celui-ci, qui permet de baisser chaque note qu'on joue d'un quart de ton. Son envie, c'était de jouer la musique arabe et les musiques venues d'Orient. Et donc, du coup, moi, j'ai hérité de ça. L'improvisation, c'est la liberté qu'Ibrahim Mahalouf cherche dans sa musique. Sa formation classique au conservatoire ne l'empêche pas d'être un grand admirateur de Miles Davis. Ce grand écart entre trompette classique et jazz est au cœur de son art et de son succès. Fervent défenseur de l'impro, il a réussi à réunir 2000 musiciens l'année dernière au 104 à Paris pour une session d'improvisation géante. Je pense qu'en ce moment, dans ce climat particulièrement hostile et cacophonique, de montrer que cette cacophonie peut porter à un moment donné ses fruits et on peut aboutir à une harmonie si on travaille dessus. De Michael Jackson à Beyoncé, en passant par la musique des Balkans, Mahalouf revendique la diversité de ses influences et son envie de faire cohabiter tradition et modernité dans sa musique. D'où des collaborations variées avec Oxmo Puccino, Grand Corps Malade ou Mathieu Chédid lors de la dernière cérémonie des Césars. Je profite d'un truc. Ibrahim, comment vas-tu, mon beau? Qu'est-ce que c'est bon de t'entendre jouer Ibrahim Mahalouf, s'il vous plaît. L'histoire familiale d'Ibrahim Mahalouf est intimement liée à l'un des lieux de culte les plus anciens de la capitale, l'église Saint-Julien-le-Pauvre au cœur de Paris. C'est ici que son père, sacristain, est devenu trompettiste. Elle a survécu aux invasions vikings, aux guerres de religion et à la Révolution française. Depuis plus d'un siècle, elle accueille la communauté catholique melkite, en d'autres termes, les chrétiens d'Orient. Comme Ibrahim Mahalouf, l'enfant du Liban et de la France, trompettiste sans frontières, l'édifice est une porte entre deux mondes, une main tendue entre l'Orient et l'Occident. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Et merci de nous faire découvrir ce lieu qui est un lieu familial, un peu, on va voir ça tout de suite, Saint-Julien-le-Pauvre. Allez, on y va. Ibrahim, nous sommes ici en plein cœur de Paris. Notre-Dame de Paris est juste là. On est dans une autre église qui s'appelle Saint-Julien-le-Pauvre. C'est quand même très émouvant d'être ici. C'est le lieu où votre père est en quelque sorte né comme musicien. Il a gravé même son nom dans les murs de l'église. À l'extérieur, sur la porte, il y a une porte derrière. Et avant de partir, pour ne pas oublier, il a gravé son nom et la date à ce moment-là. Et votre père a été sacristain de cette église. Oui. Pendant des années ? Pendant plusieurs années, en effet, quand il est arrivé en France... Il venait du Liban. Exactement. Quand il était au Liban, il avait appris à jouer du oud, il avait appris à chanter, il chantait justement dans les églises, les psaumes, etc. Et quand il est arrivé en France, il n'avait pas de travail, donc il a fallu assez rapidement trouver un moyen pour subsister. Et il voulait apprendre à jouer de la trompette. C'était son rêve de jouer avec Maurice André, d'être dans sa classe. Et son envie, c'était d'avoir un endroit... qu'il puisse l'héberger, où il puisse travailler sa trompette en toute tranquillité. Et alors, c'est, voilà, c'était chouette, il avait un coin ici. Donc, une fois qu'il fermait l'église,
Il fermait toutes les portes pour ne pas déranger le voisinage et puis il travaillait 5, 6, 7, 8 heures. Et c'est comme ça qu'il a très rapidement progressé et passé le concours d'entrée au Conservatoire de Paris et il a été accepté. On est dans une forêt de cygnes ici. Il y a l'église, il y a votre père. Votre mère aussi était musicienne. Donc chez les Malouf, en fait, la question c'est comment ne pas être musicien, hein? J'imagine que c'est ça. Dans la famille, il y a en effet beaucoup de musique. Mes deux parents donc, continuent à faire de la musique, ils sont profs. Mais il y a aussi de la littérature. Donc mon oncle Amine et mon grand-père, donc le père de ma mère, qui était également poète, journaliste, écrivain et musicologue. Voilà, mes sœurs, tout le monde est dans la musique. Mais ça ne veut pas dire que ça allait être forcément mon évident, métier. Ouais. Voilà. On vous a mis un instrument très tôt entre les mains, à la maison? La trompette, j'ai commencé à 7 ans et demi, donc c'était pas si tôt que ça, hein. Il y a des enfants qui commencent plus tôt. Mais par contre, j'avais un enseignement à la maison très, très strict, assez rigide, et donc j'ai progressé très vite. Donc j'ai très rapidement pu faire des concerts avec mon père en duo. On a fait beaucoup de concerts quand j'étais jeune, en duo comme ça. C'est une émotion particulière de jouer avec son père? Ah ouais, 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 c'était... Je crois que c'est... Mes souvenirs de concerts les plus forts et les plus marquants, c'est eux qui m'ont construit en tant que musicien. En fait, vers l'âge de 8-9 ans, mon père, pour m'encourager, parce qu'il voyait que j'avais du mal à la maison à être assidu sur l'instrument, il me disait « Si tu travailles bien, tu viendras jouer avec moi en concert. » C'était fou, parce que moi, pour moi, mon père faisait des concerts en Europe, au Moyen-Orient et tout ça, et de l'accompagner, c'est-à-dire de quitter l'école, de laisser l'école de jour, de partir avec lui en avion... et d'aller faire un concert en Suisse, en Allemagne, je ne sais pas où, au Liban, en Syrie, etc. À l'époque, c'était quelque chose de complètement dingue, quoi. Donc ça m'a motivé. Et entre l'âge de 8 ans et l'âge de 13-14 ans, on a fait beaucoup de concerts, tous les deux, comme ça, en duo. Et donc il m'invitait, il me présentait en disant « Voilà mon fils, j'étais petit comme ça, j'étais très timide. » Et je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait, mais c'est là que j'ai construit vraiment mon métier. C'est là que j'ai appris, en regardant mon père... gérer son rapport avec le public, comment il gérait son stress avant de monter sur scène, etc. C'est là que j'ai appris mon métier, en fait. Et vous étiez sur scène pour rivaliser aussi avec votre père, pour essayer d'être meilleur que lui, ou non? Non, ça c'est arrivé plus tard, par contre. Plus tard, ouais. Ouais. Au début, c'était vraiment de l'affection. Je me sentais accroché à mon père, hein, comme, protégé par lui. Donc au contraire, il y avait cette affection, cette tendresse qui était très forte, et dont j'avais besoin, évidemment. Plus tard, quand j'ai commencé à faire mes études au Conservatoire de Paris, parce qu'il m'avait mis la pression pendant des années avant, j'avais envie de lui prouver que j'étais capable d'aller aussi loin que lui, et plus loin encore que ça. Et donc, je suis allé également donc, au Conservatoire de Paris. Donc, j'ai eu mon diplôme et j'ai passé ce qu'on appelle les concours internationaux. C'est-à-dire que je suis allé vraiment encore plus loin. C'est un peu les championnats du monde de la musique classique. Mmh. Et c'est en gagnant des concours internationaux que je me suis fait connaître et que j'ai commencé à faire des concerts, en fait. Et là, votre père a dit « Bravo, mon fils ». À sa façon, mais ouais. C'est-à-dire une façon silencieuse. Ouais, quand j'étais petit, il m'encourageait vraiment beaucoup, mon père. Ouais. T'es le meilleur, vas-y, allez, lâche-toi, machin, etc. Et après, quand j'ai commencé à me professionnaliser, il me disait, c'est bien, tu peux faire mieux. Papa, quoi. Voilà, c'est pas mal. Quelle relation vous avez avec le pays de vos parents, avec votre pays, avec le Liban? Mais c'est mon pays aussi. Dès que j'en ai l'opportunité, j'y vais. En général, j'y vais entre 4, 5, 6 fois par an. J'ai l'impression d'être à la fois complètement intégré dans ma vie ici et à la fois complètement intégré dans ma vie libanaise. C'est étonnant, c'est une forme de double culture. C'est une forme très décomplexée de la multiculturalité. Mon expérience m'a montré qu'un des endroits où la vraie cohabitation existe, c'est-à-dire l'endroit où les cultures vivent ensemble, c'est Paris. Vraiment? Ouais. Moi, je sens ça beaucoup plus à Paris qu'au Liban ou qu'à New York, qu'on idéalise au niveau multiculturel, etc. À Paris, il y a des communautés qui vivent les unes avec les autres, et pas juste les unes à côté des autres. Et je trouve que c'est au contraire de ce qu'on a tendance à dire ces derniers temps, je trouve que Paris est un exemple même de la réussite de la multiculturalité. Ça fait du bien à entendre. Vous attendiez votre rencontre avec le jazz, après le conservatoire, après ce que vous avez décrit, les années à apprendre de manière très dure, à progresser, la scène. Quand j'étais petit, c'est vrai que la trompette, je travaillais avec mon père, etc. Mais à côté de ça, tout ce que je faisais sur le piano, mon père m'avait acheté un synthétiseur aussi,
Je jouais avec des percus, j'avais les doubles cassettes où je faisais des enregistrements en inventant des voix que je superposais. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'encourageaient dans ça. Et jusqu'au jour où, à force d'apprendre, d'avoir du langage, donc de me cultiver avec la musique classique, avec la musique classique occidentale, avec la musique baroque, etc., avec la musique arabe, ensuite, j'ai découvert d'autres styles musicaux, la pop, vers l'âge de 8 ans, avec Michael Jackson, avec plein de styles musicaux, la musique des Balkans, le jazz, etc. Tout ça ensemble, en fait, m'a motivé dans ma musique à aller chercher plein d'influences différentes. Le jazz n'a pas été forcément... Facteur déclenchant. Non. Mais alors, l'improvisation, vous vous souvenez du moment où ça bascule, même si ça a toujours été là? Vous vous souvenez, je ne sais pas comment dire, d'un espace qui s'ouvre devant vous? Moi, je pense qu'en fait, la plupart des gens pensent que l'improvisation, c'est un aboutissement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se former, qu'il faut construire son langage, et à un moment donné, on est prêt pour improviser. Et en fait, en réalité, je suis persuadé que c'est complètement le contraire. Et non seulement c'est le contraire, on devrait commencer par l'improvisation et sans savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire s'amuser juste. Et puis dès qu'on sent qu'on est en manque, mince, j'y arrive pas, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui nous dit, ben regarde, tiens, si je te montre ça, tu vas pouvoir improviser un peu plus et avoir plus d'idées. Ben, je dis tout le temps un truc, c'est que les petits enfants sont les meilleurs improvisateurs parce qu'ils se posent pas de questions, ils ont pas peur du jugement du langage, etc., que nous on a. Et donc quand ils jouent, ils s'amusent, et ils sont dans leur chambre, ils sont en train de jouer. Je vais aller jouer avec mes voitures. Et ils sont comme ça, les enfants. Ils se prennent pas la tête. C'est ça qu'il faut développer. C'est ça, il faut leur dire, mais continue à faire ce que tu es en train de faire là. Et ils se rendent compte qu'en fait, l'improvisation, c'est quelque chose de tout à fait naturel et humain. Il y a un instrument que j'adore en jazz, c'est le sifflement. Vous êtes un bon siffleur ou pas? Alors, moi, ma famille a tendance à dire, je siffle mieux que je ne chante. C'est vrai? Montrez-nous. Qu'est-ce que je siffle? Un Peterson. Comme ça? Ouais. Love for Sale. Non, mais trop classique. Je peux improviser un truc. Improviser. Vous sifflez parfois en concert? Ça m'est arrivé, ouais. Et il y a même une ou deux fois où j'ai fait siffler tout le public, c'est très drôle. C'est vrai. Par contre, en face de toi, tu vois que des gens qui font comme ça. C'est assez étonnant. Mais par contre, c'est assez marrant à faire, ouais. Remplir une salle comme Bercy, quand on est jazzman, le dernier à l'avoir fait, c'est Miles Davis. Pas mal. Ben, écoutez, j'avais 3 ans quand Miles est passé à Bercy, j'aurais rêvé d'y assister. Et... si j'ai envie de faire Bercy, c'est pas pour le côté prestigieux ou pour la grandeur de la salle. C'est juste que j'avais envie de fêter mes 10 ans de tournée. Et j'ai envie que tout le monde vienne. Quoi. Voilà, c'était bon, ce sera le 14 décembre et c'est complet. J'ai l'impression que vous êtes heureux et ça me fait un bien et un plaisir fou. Je vous jure. Et la musique, je dois avouer une chose, c'est un peu mon secret. Enfin, c'est un secret de polichinelle, mais c'est un secret quand même. C'est ce qui me permet de me sentir bien au moment où je suis avec vous. C'est compliqué à expliquer, mais c'est le sentiment d'avoir un langage et d'être compris, en fait. Si je n'avais pas ce langage et cette capacité de me sentir, en fait, accepté, compris, aimé, tout, voilà, c'est basique, mais je pense que je serais moins serein. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous allez bien, que vous êtes content, heureux? Quand je suis serein, j'écoute beaucoup Bach. Quand vous n'êtes pas bien? Alors, j'essaye de mettre des musiques qui donnent envie de bouger. C'est vrai? Un bon funk ou autre chose? La soul, beaucoup. La soul, oui. La soul, la funk. J'aime bien la pop ou le R&B actuel. Pas tout, mais il y a des choses que j'aime bien, qui redonnent un peu la... Mm-hmm. C'est des musiques qui sont plus légères, mais qui sont faites pour se sentir bien dans ses baskets. Beyoncé, quoi? Ouais, par exemple. Je vais vous laisser avec lui. C'est avec votre plaisir. Meilleur pote? Avec plaisir, ouais. Clairement. Vraiment, un bon pote? Oui, un très très bon pote. Vous lui faites des confidences, vous l'engueulez, vous rigolez, vous parlez beaucoup? J'ai toujours un peu joué du piano, donc pour le plaisir, et c'est devenu d'une certaine manière un peu l'instrument avec lequel je crée. Et j'ai plus plaisir, j'espère que j'ai le droit de le dire, mais j'ai plus plaisir à jouer du piano que de la trompette, parce que c'est l'instrument avec lequel j'invente, je crée, j'improvise. Et c'est comme ça que je cherche les morceaux que je vais jouer ensuite à la trompette le plus souvent. Vous allez jouer quoi? Mais écoutez, j'avais envie de vous jouer une version de Red and Black Light. C'est le morceau qui a donné son nom à mon album.
Une version piano, c'est-à-dire sans trompette, sans les voix, sans tout l'arrangement. Ça vous va? Mais je suis au paradis. Merci.